Regard, Carole Thomas, La Fouque. Entre la sérénité et l'emportement, entre le cheval et le papillon. Libre, Carole Thomas migre dans son imaginaire à la manière des monarques, sans jamais se perdre. Ils sont sa fragilité, sa légèreté. Quand je veux me retrouver, que je suis perdue, je peins des papillons, je peins des monarques. J'aime les couleurs vibrantes. J'ai la passion des couleurs, fait que le monarque, pour moi, il est très vivant. Puis quand j'ai commencé à peindre les papillons, c'était pour moi une renaissance, parce que c'était une chenille qui n'était pas très belle. Puis tout d'un coup, qui sait pas qu'il devient un papillon magnifique, puis qu'il prend son envol, mais qu'il faut qu'il ose se laisser aller. Il faut qu'il ose, tu sais, avoir confiance en la vie pour ouvrir ses ailes. Dans son atelier, j'ai aperçu un papillon s'échappant d'une spirale engendrée par des chevaux en cavale. D'une main sauvage, elle a peint ses chevaux. Ils sont sa force, sa liberté et sa fougue. Lorsque je regarde mon tableau, je vois l'énergie, elle est brute. Cette fougue-là, dans le mouvement des corps, cette liberté-là en même temps. C'est de l'énergie à l'état brut, c'est de la passion, c'est de l'instinct. Puis de pouvoir contrôler cette force-là, cette force primaire qui est là, puis d'avoir le contrôle. Parce que cette force-là, elle est en moi aussi, elle est dans les chevaux, mais elle est là. Puis quand ça jaillit, oh, j'en ai un peu peur, puis j'ai hâte que ce soit totalement libre. Quand je suis en quête de moi, quand j'essaie de me retrouver, je retourne à mes papillons. C'est mon côté, c'est ça, très spirituel, je crois.